بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم et toi tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit dis-le Allah jazi dis صلى الله عليه وسلم c'est une forme d'adoration tu t'assois اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على محمد juste ça c'est une forme d'adoration tu gagnes des حسنات des حسنات des حسنات des حسنات Et tu dis le volet Salat wa Salam al-Habib. Et tu dis les hadiths, plusieurs hadiths, des dizaines et des dizaines et des dizaines de hadiths où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique les attributs qu'on peut avoir comme hasanat, comme ajr, quand on fait Salat wa Salam al-Habib. Ya ayyuha, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah lui-même et ses anges font la prière sur le Nabi. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ceux qui ont la foi, toi, si tu as la foi. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Faites salat wa salam ala nabi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qui est l'engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction. Regardez la beauté de l'islam, que la salutation de l'islam comporte en elle des trésors de bénédiction, de miséricorde, de paix et d'engagement de paix. Je te dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala, pas qu'avec la langue, avec la langue, avec le cœur, avec le cerveau, avec tout mon être, d'être en paix avec toi. Si je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ça a beaucoup d'implications. Ce n'est pas qu'une parole qu'on dit comme bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir, ça ne veut rien dire. La salutation des musulmans comporte en elle des trésors. Et l'humanité a besoin des trésors de la paix islamique. Ya Ikhwan, bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Qu'Allah vous guide, mes frères et sœurs de l'humanité. D'accord ? Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous accorde la guider, mes frères et sœurs de l'humanité. Et pour le jeune homme ou la jeune femme qui m'avait envoyé un message pour dire quand je dis qu'Allah vous guide, pourquoi je ne dis pas sur moi, c'est-à-dire moi, je me considère guidé. Non, là on différencie. Quand je parle des musulmans, si je fais un doa, je le dis pour eux et pour moi. Mais si je parle des non-musulmans, les non-musulmans n'ont pas la guidée. La guidée qui est la non-mécréance. Les non-musulmans, attention, ils ne sont pas musulmans. Ça veut dire qu'ils sont mécréants. Je n'aime pas le dire, c'est vrai. Parce que ça choque plus fort. Je dis en général, dans mes écrits, dans mes vidéos, non-musulmans. Qu'ils soient athées, qu'ils soient... adorateur des 3 en 1, là, vous connaissez 3 en 1, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3 en 1, et Ben Shoulders, comme je dis, ou qu'il soit bouddhiste, ou qu'il soit ce que vous voulez, ce sont des non-musulmans, ce sont des mécréants. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'Allah vous guide, je ne m'implique pas dans celle-là, je ne fais pas cette doa-là pour moi quand je parle là. Mais si je parle en général avec les musulmans, Allah nous guide, oui. Si je dis à un musulman qu'Allah te guide, c'est que oui, tu peux le comprendre comme ça. Mais Allah, il a dit comprendre. Moi, voyez le bien. Moi, voyez le bien. Allah, il a dit comprendre. Pourquoi tu vas dans. Pour l'intention de la personne, le mal, vois le bien, sois délicieux, vois le bien. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais le conseil, je le prends bien, jeune femme ou jeune homme. Il n'y a pas de problème. Mais voyez le bien. Donc, Inch'Allah, je voulais traiter là, le monsieur. Donc, un frère me dit, arrête, le titre de son message, arrête de dévoiler les péchés des musulmans.
Salam alaikum, Ari, je me permets de t'envoyer ce message parce que j'ai vu pas mal de tes vidéos que tu fais en ce moment. Elles m'ont pas appris grand-chose. Elles m'ont pas appris grand-chose. Comme la vidéo Bard, Siwak et Décadence. Je t'ai suivi depuis le début que tu as commencé. Et je pense que toi aussi tu fais comme les autres. Tu fais que dévoiler les péchés des musulmans. Au lieu de leur enseigner ce que tu as appris, et moi je trouve ça dommage. Partout où on va, on n'entend que des pêcheurs, des prêcheurs. Il écrit vraiment le fameux style de nos amis qui ont grandi en France ou dans un pays. Hada, malheureusement, un style que vous connaissez, malheureusement. Donc là, je vais essayer quand même de lire comme je peux. Donc prêcheurs qui passent leur temps à critiquer. Et au bout du compte, ils nous ont rien appris à part le fait de critiquer. Ces frères, résumé, tout le monde musulman se critique. Alors que le devoir du musulman est de couvrir les défauts de son frère. On vit dans un monde où tout le monde se critique. On est divisé jusqu'au sein de nos familles. Si beaucoup de musulmans sont égarés, c'est aussi parce que on n'a aucune science islamique. Pour apprendre l'islam, il suffit pas de regarder des vidéos. Moi, je pense qu'il faudrait inciter nos jeunes à étudier l'islam. C'est mon point de vue, Ari. Après, Allahu a'lam, vu que je te respecte, que je t'aime beaucoup, je veux te poser une question si tu as le temps de répondre. Moi, je suis un jeune de 93. J'ai grandi sans éducation islamique. Je voudrais étudier l'islam. Mais en France, je n'arrive pas à me concentrer. Trop de décadence, fitna, etc. Je voudrais partir en Égypte pour apprendre le Coran. Mais mes parents refusent de me laisser partir. J'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je dois leur obéir ou pas? Salam alaikum, barakallahu fik. Un bon conseil. Je le prends vraiment comme un conseil, comme une nasiha. Qui me fait plaisir, barakallahu fik, Allah te bénisse. Donc, je dois quand même expliquer des choses à mon frère. Donc, je vais t'apprendre maintenant quelque chose. Là, je vais t'apprendre une science. Si sur 420 vidéos, tu n'as rien appris, surtout si tu m'as appris, si tu m'as suivi depuis le début, c'est qu'il y a un problème. Moi, à ta place, deux, trois fois, ça ne m'apprend rien, je passe à autre chose. Voici une autre science que je t'apprends. Maintenant, je vais t'apprendre une science, Inch'Allah. Si je dis que un tel, son nom, son endroit, sa famille, son âge, son adresse, a fait tel péché. Et je parle de péché, j'ironise sur le péché, je ne couvre pas la personne, strictement, 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 haram, et Allah se vengera de moi. Parce que c'est vrai, un des piliers de l'islam, oubliez ce que vous connaissez, là, beaucoup de choses sont les piliers d'islam. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont très, très importantes en islam. Parmi lesquelles, se couvrir et couvrir son frère. Se couvrir et couvrir ses frères. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, comme disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute ma umma est en bien sauf ceux qui annoncent leur péché. D'accord. Donc, mon frère, moi, si je divulguais les messages des gens, crois-moi qu'il n'y aura plus personne qui m'enverrait des messages. Et crois-moi qu'aujourd'hui, ça atteint plus ou moins une centaine de milliers de mails, ou un peu plus. Un peu plus d'une centaine de milliers de mails. Et je ne fais pas grand-chose pour les recevoir en plus. Je ne fais pas grand-chose pour les recevoir. Si je faisais grand-chose pour les recevoir, mon frère, à une époque, il y avait minimum 50 mails, plus parfois par jour. Aujourd'hui, je m'implique plus beaucoup dans Facebook, je n'ai plus le temps de m'impliquer trop dans Facebook, ce qui fait que ça a baissé un peu le message. Mais jusqu'à maintenant, ça continue, je n'ai même pas le temps de le traiter. Jusqu'à maintenant, ça continue d'arriver, mais je n'ai pas le temps de les traiter. Donc, si je le faisais, il y aurait personne qui aurait envoyé. Et si tu trouves une seule personne qui t'a dit que, ou là qui dit sur Facebook ou là sur YouTube que j'ai divulgué ces secrets, montre-la-moi. D'accord, mon frère? Donc maintenant, est-ce qu'on divulgue un secret? Ces péchés-là sont unanimement vus, observés dans la Oumma islamique. On ne va pas se mentir, mon frère. Donc ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé.
Donc ça s'applique sur beaucoup de monde. Ça veut dire, si moi je parle de cette problématique-là, si je la traite, crois-moi que beaucoup de monde m'envoie des mails pour me dire que je me suis reconnu pile poil dans cette problématique et parfois même pire que ce que vous avez essayé d'expliquer. Maintenant, je suis d'accord avec toi si on se contente de dire et de culpabiliser les gens et de leur dire vous êtes cuit, vous êtes rosé, vous avez fait des péchés, vous êtes nul, il n'y a rien à attendre de vous. Tu as plus de 420 vidéos et beaucoup, des centaines d'articles que j'ai écrits et beaucoup de commentaires que j'ai fait. Si tu trouves ça, montre-le-moi. Ce n'est pas le but, mon frère. On doit dire aux gens que le péché, tu le fais. Tu l'as fait, tu es un pécheur, tu es un humain. Et le verset est clair. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Tu n'es pas un ange, je ne suis pas un ange. Les anges ne font que glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne s'accouplent pas, ils ne font que glorifier Allah. Ça c'est les anges. Shayatin c'est autre chose. Shayatin ils ne font que le mal. Et ils ne vivent que pour le mal. Shayatin al-kuffar, afarit al-kuffar, jinn al-kuffar, ils vivent que pour le mal. Comme les humains kuffar. Ils ne vivent que pour le mal. Donc, nous ne sommes ni shayatin ni anges. Nous sommes des humains et nous sommes pécheurs. Et shaytan est là pour nous dévier. Et notre nefs est là pour nous dévier. Et shayatin et l'ins sont là pour nous dévier. Ce qui fait que, parfois, nos proches, les plus proches de nous, nos parents, sont des shayatin qui sont là pour nous dévier. Imagine. Dans la Umma islamia, il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant soit musulman. Qui ne veulent pas que leur enfant porte l'islam. Qui ne veulent pas pour leur enfant... que l'enfant se déploie pour l'islam. Aujourd'hui, tout est shayatin. Le système est un système de shayatin. Les médias sont sataniques. L'école est satanique. L'entourage est satanique. Oui, tout ça, c'est vrai. Ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui, déboussolés, et même nos vieux, déboussolés, vivent malheureusement. Et moi, j'ai connu des vieux de 50 ans complètement déboussolés. Il n'a jamais prié. Il n'a jamais mis le pied dans une mosquée. Mais malgré ça, nous devons faire un rappel. Et le rappel, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « Ma balu aqwamin fa'alu kada wa kada » Voici une science que je t'apprends. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de gens qui ont fait ou là qui ont parlé mal ou là qui ont fait des péchés. Mais il disait lui « Ma balu aqwamin » Pourquoi il y a des gens qui font ci ou ça? Il n'a jamais parlé de quelqu'un nommément. Ce n'est pas le but. Le but de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas faire le fadiha à quelqu'un. Ce n'est pas lui faire mal et découvrir ses péchés devant tout le monde. D'accord? Donc il disait « Ma'abalu aqwami » C'est une formulation qui existe dans la manière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le but, mon frère, c'est pas de te faire culpabiliser, c'est pas de t'attaquer, c'est pas de t'insulter, c'est pas de te dénigrer, c'est pas de te faire mal. Le but, c'est de dire « Voilà, ceux qui ont fait le péché, ceux qui n'ont pas encore fait le péché, voici la conséquence pour celui qui a fait le péché. » Donc les nouvelles générations auxquelles je m'adresse, ceux qui viennent à peine de mettre les pieds dans la vie, dans le monde, là, ils vont écouter ces vidéos dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et ils vont se dire, ah, tous ces jours-là ont fait ces péchés. Et regardez la décadence dans laquelle ils se sont trouvés, regardez les dépressions, les suicides, les malheurs, les machakils qu'ils ont eus. Moi, Inch'Allah, je vais faire en sorte de ne pas tomber dans ces péchés. Et crois-moi, mon frère, que si ces vidéos n'étaient pas utiles, la deuxième vidéo, j'aurais pas attendu la troisième, la deuxième vidéo, j'aurais arrêté. Et crois-moi, mon frère, que c'est pas une chose que j'aime faire. Moi, parler, ça m'intéresse pas. Je te dis franchement, si je t'assois avec un bon main, tu remarqueras peut-être que je ne parle pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas la parole. Blablaté, blablaté, ça ne m'intéresse pas. Et ma responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala est énorme quand je prends la parole. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, nous avons vu que le monde, dont la France et dont l'Europe aujourd'hui, est atteint un niveau très, 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 très bas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font le rappel, qu'ils soient savants ou prédicateurs ou simples musulmans qui essaient de faire avancer le schmilblick. Il n'y en a pas beaucoup, trouvez-les-moi. Par contre, il y a beaucoup de shayatin ins qui font des ravages et qui ravagent la jeunesse aujourd'hui. Et la jeunesse, on ne va pas se mentir, toi et moi, elle est perdue. Elle est perdue. Pas la totalité, mais la majorité, malheureusement. C'est perdu. À nous, à toi, à moi, de faire le nécessaire pour essayer de les faire avancer, mon frère. À nous, de faire le nécessaire pour les faire avancer, pour les aider, pour les aider, pour leur montrer le danger
de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc si tu n'as pas appris beaucoup de choses, crois-moi que 420 vidéos, là un peu plus, fois 10 minutes, ou 15 minutes, ou 20 minutes, mon frère, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures, beaucoup de jours que tu as passé devant quelqu'un qui t'a rien appris, c'est mauvais pour toi. Tu ne dois pas gaspiller ton temps. Si tu n'apprends rien avec moi, mon frère, laisse tomber. Va voir autre chose. Apprends chez d'autres. Et je te répondrai sur une vidéo spéciale pour ta question. Inch'Allah, que tu m'as posé. Je te répondrai pour la question. Par rapport à la science, d'aller apprendre la science en Égypte ou ailleurs. Est-ce que je peux compter sur toi? Donc, quand tu vois que tu n'avances pas, te laisse tomber. Si tu n'avances pas avec moi, ce n'est pas la peine de voir mes 400 vidéos et arrêter. Par ailleurs, chacun son style. Moi, dans les chouyouk, mon frère, j'aime écouter tout le monde, mais j'ai un faible pour quelques-uns. Voilà, j'ai un faible pour quelques-uns. C'est-à-dire, je peux écouter quelques-uns des heures et des heures. D'autres, je les écoute sporadiquement. Ça, c'est les chouyouk, imagine. Ça, c'est les grands savants, les chouyouk. Par rapport auquel moi je ne suis rien. Je ne suis pas grand-chose. Mais mon frère, dans une Europe aujourd'hui, où le peu de frères qui existent et le peu d'imams qui existent viennent des blades, qu'ils ne connaissent pas rien du tout dans la France, et ils décident, quoi que tu fasses avec eux dans les mosquées, et ils ne veulent parler qu'en arabe, ils ne veulent pas parler en français, et ils ne connaissent pas la culture. Wahed. Deuxièmement, dans un monde aujourd'hui, difficile, dur, catastrophiquement catastrophique, d'accord, où chacun pense à soi, il dit alhamdoulilah que quelqu'un t'accorde de son temps et prend des risques énormes et il a déjà payé les pots cassés de ce risque-là, il a déjà payé très cher et il le paye aujourd'hui encore très cher, le fait qu'il s'est mis en homme public, en homme maintenant connu, que tu commences à connaître. Ça, moi, ça ne m'a rien apporté. Si on fait les calculs pécuniers, moi, ça ne m'a rien apporté. Mon frère est trop connu. Moi, je voudrais être un Nakira. Nakira, incognito, walou. Et crois-moi que j'ai mis les pieds dans les mosquées de France à mon arrivée en France. Ça veut dire il y a longtemps, mon frère. Et depuis ce temps-là, j'aurais pu prendre la parole, ya akhi, alhamdulillah. Et depuis ce temps-là, des gens m'ont demandé de prendre la parole, ya akhi. Et j'étais responsable dans des mosquées. Gars. Mais ça ne m'a jamais intéressé de prendre la parole. C'est que quand j'ai vu que les jeunes sont dans l'internet, complètement dans l'internet, avec un monde, subhanallah, difficile, que je me suis dit, je vais essayer de leur donner de mon temps pour les conseiller, fisabilillah. Donc moi, quand je gagne, être nakira chez les gens, ça ne me touche pas. Être incognito chez les gens, ça ne me touche pas. Ce qui m'intéresse, c'est être connu, reconnu chez lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, ya akhi. La catastrophe, c'est que quand tu n'es pas connu chez Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant quand je t'apprends, ya akhi, quand j'essaye de t'apprendre, si tu n'apprends rien, alors, je n'ai jamais prétendu que j'apprends à mes frères de la science. Et crois-moi qu'il y a eu des vidéos où j'ai essayé de vous apprendre la science, ya akhi. Ces vidéos-là, malheureusement, ne sont pas du tout consultées. Ne sont pas du tout consultées. Ne sont pas du tout partagées. D'accord. Donc ce qui marche, mon frère, c'est le rappel, c'est te donner le déclic maintenant. Mais crois-moi que chaque vidéo, si tu as un minimum de sincérité, a déjà travaillé ton système de pensée. Crois-moi, crois-moi. Ma personnalité à moi a été façonnée par beaucoup d'expériences et par beaucoup de chers que j'ai écoutés, Yahri, et par beaucoup d'intervenants, étudiants quand j'étais jeune dans les mosquées. Mon frère, des petits imams dans les mosquées que j'ai connus qui n'avaient pas beaucoup de science, qui n'avaient pas beaucoup d'alain, mais qui donnaient le temps qu'ils pouvaient, la science qu'ils pouvaient à nous. Et ils ont participé, alhamdoulilah, à façonner nos personnalités. Donc chaque mot que tu entends, mon frère, tu es comme un enfant entre 3 et 6 ans. Tu vois, l'enfant entre 3 et 6 ans, il ne connaît aucune langue. Mais en 3 ans maximum, il apprend une langue. Comment? C'est un système qu'Allah fait. Quand tu lis beaucoup de livres, ya akhi, tu commences à lire un livre, puis deux, puis trois, sans que tu te rends compte, ta manière de parler, ta manière d'écrire, ta manière de penser évolue, ya akhi, sans même que tu te rends compte. Quand tu écoutes des gens, même si au premier regard tu penses que tu n'as rien appris, crois-moi que ça travaille sur ton système, ça façonne un peu ton système, ça oriente un peu ton système de pensée et ton système du corps, si tu as un minimum de sincérité. Mais c'est vrai que si tu n'apprends rien, c'est pas la peine de gaspiller ton temps. Et moi je suis étonné si tu me dis tu me suis depuis le début, ça veut dire que tu me suis depuis au moins 18 mois et tu n'as rien appris. Là je trouve ça incroyable, c'est que tu
ام بير طون طون مون فرار سي لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ارضنا وارض عنا اوزي بروباري سيت فيديو كالله بينيس بارك الله فيكم سي سا نو تو بروفيت ا توا كرو ا موا بار لو تيمونياج دو بوكو دو موند بوكو بوكو دو موند اي جي نيم با لي دير سي جو ليزي سي تيمونياج لا سا مو فري بيدات او موا واحد 30000 à 40000 vidéos, mais les éloges ça m'intéresse pas. Mais alhamdoulilah, j'ai continué parce que j'ai vu que ça profite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Vieux, moins vieux, jeunes, moins jeunes, couples, il y a des couples qui les regardent ensemble, il y a des gamins, enfants de 12-13 ans qui les regardent apparemment avec leur famille, et il y a des couples qui les regardent ensemble, il y a des familles parfois entières qui les regardent ensemble. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parfois, malheureusement, dans la rue, des gens me rencontrent. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, ben bien, alhamdoulilah, que ça t'a profité, mon frère, c'est que tu as un cœur bien. À part ça, fais-moi un doigt. Ni éloge ni trabir, ça ne m'intéresse pas. Fais-moi un doigt. C'est ma réponse à des gens qui me rencontrent dans les rues, ou là, parfois dans les mosquées, ou là, quand je me déplace. Ça marche? Allahumma abdina wa abda'anna, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Osez proposer cette vidéo, barakallahu fikoum.